Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de 6 étoiles R3. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous avais un petit peu teasée après la vidéo sur Miles Morales, que vous voyez également dans mon équipe, parce que là, nous sommes en QA8. En tout cas, il va avoir deux petits extraits de QA8 sur mon tier 3, du coup. Et il va avoir ensuite un extrait sur le Labyrinthe des Légendes, de ce up de Crossbones 6 étoiles R3, qui est un des meilleurs reworks de l'année. D'ailleurs, je l'ai beaucoup mis en avant dans mon top rework de l'année. Et c'est un perso, franchement, j'avais up R2 assez vite. J'avais pas éveillé. D'ailleurs, petite info pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai pu le up du coup grâce, enfin en tout cas l'éveiller grâce à la truc de gemmes, là, aux échanges de gemmes. J'ai changé ma tech en une virtuose du coup qui m'a permis d'éveiller Crossbones. J'avais le choix entre lui et Shang-Chi. Shang-Chi est peut-être meilleur globalement, mais son éveil est moins game changer que celui de Crossbones qui permet d'avoir les ténacités. D'ailleurs, en parlant de top rework du coup et de top champion, n'hésitez pas à aller voter dans la description. Vous avez un lien vers deux sondages qui vous permettront donc sur un Google Forms de remplir vos 10 meilleurs reworks de l'année. Ça, c'est assez rapide à remplir. Le top champion 2021, vous avez été déjà nombreux à le remplir. Donc merci à ceux qui ont pris le temps. Un peu plus long à le remplir. Néanmoins, c'est cool, je trouve. C'est un peu une sorte de bilan de l'année. De voilà, quel perso vous avez préféré, quel perso vous avez moins aimé. Voilà, vous faites votre classement sur les 25 persos de l'année. Et voilà, moi, ça me permettra de faire des petites vidéos sympathiques entre Noël et Jour de l'An. Donc n'hésitez pas à y aller en masse. Il me faut encore beaucoup, beaucoup de réponses avant de pouvoir faire une vidéo assez sympa. Donc voilà, c'est sûr, si j'ai peu de réponses, ça ne servira pas à grand-chose que je fasse une vidéo. Donc voilà, surtout pour le top rework, n'hésitez pas à y aller. Merci d'avance. Et n'hésitez pas d'ailleurs à parler de ce petit Crossbones, parce que franchement, il vaut le détour. Il vaut le détour, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Alors, la problématique que j'avais dans cette QA8, c'est que j'avais Strife et du coup, à terme, Miles Morales qui me permettait en gros de faire ce tier 1 et tier 2. Donc à la base, j'avais Strife et c'est qui que je prenais à la base? Je me rappelle même plus. Ah, je prenais... Putain, je prenais qui? Avec Strife. Alors, je sais que je prenais Elsa pour mon tier 3. Et avec Strife, je prenais... Alors, j'ai essayé Ebonimo. J'ai essayé aussi... j'ai essayé Diablo. Et je prenais Thor Ragnarok à la base, parce qu'il pouvait mettre des décharges. En gros, l'idée de ma borne en tier 1, comme vous le savez, c'est qu'il y a de l'imbloquable. Et il faut mettre des décharges pour pas avoir d'imbloquable et tout. Enfin bref. En tout cas, Strife et Miles Morales le font très bien. Et mon tier 3, du coup, j'arrive sur une borne où il y a borne protection. Tu peux pas enlever plus de 1% de la vie. Si tu ne termines pas un combo, eh bien, tu prends un debuff qui fait que tu vas dévier les attaques. Enfin, en gros, toutes les attaques que tu vas faire sur l'adversaire vont être déviées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas critiques. Il y aura de la pression de compétence en moins. Enfin, il y aura zéro pression de compétence dessus. Bref, c'est relou, ce petit debuff-là. Et donc, il faut terminer tes combos à chaque fois. Et en plus de ça, du coup, vous avez super masochisme qui fait que, en gros, dès que vous allez mettre un debuff à l'adversaire, que ça soit étourdissement ou un debuff de dégâts, que ça soit incinération, saignement, bref, poison, tous ces debuffs-là, eh bien, ils vont vous être renvoyés, l'adversaire va le purifier et il va régène. En gros, c'est un masochisme de base, mais sauf qu'il te renvoie en plus le truc. C'est un peu relou, on va pas se mentir, surtout mis bout à bout avec protection et l'autre borne. Et du coup, il y a une petite borne intercombat quand même qui vous permet d'être immunisé au premier effet que vous allez mettre pendant 10 secondes. Donc ça fera que par exemple, avec Crossbones, tout con, mais si vous mettez l'incinération, en temps normal, imaginons, vous mettez l'incinération sur l'adversaire, eh bien, au lieu de vous être renvoyé, enfin, elle vous est renvoyée, vous devenez immunisé. Ça, c'est la théorie. En vérité, comme il va réduire les comps, masochis, enfin, le super masochis ne s'activera pas sur les incinérations. C'est un peu le but, vous allez le voir dans cette vidéo. Et en fait, à bas, je prenais Elsa. Donc, elle était plutôt bien pour le War Machine, plutôt bien pour le Profix, mais un petit peu légère, même très légère contre le Spider-Man. Pourquoi? Parce que le Spider-Man, bah, tu peux pas... Enfin, en fait, c'est compliqué de terminer tes combos de 5 coups. Du coup, tu prends le truc de déviation. Le truc de déviation t'empêche derrière de mettre la vague de froid, et c'est une ronde un peu infernale. Et en plus de ça, il y a une sorte de petit bug qui fait que la vague de froid, eh bien, elle ne pop pas, en fait, sur l'adversaire. C'est bizarre, elle ne reste pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré, je crois, en vidéo. Donc voilà, relou. Du coup, c'est vrai que depuis... Enfin, j'ai recherché, je me suis dit, mais quel perso quand même pourrait être incroyable pour cette ligne? Et j'ai pensé du coup à Crossbones. Et vous allez voir que dans cette vidéo, bah, c'est absolument incroyable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord le full run
du tier 3. Alors, c'est pas mon meilleur run de... Je crois que c'était cette semaine. C'était peut-être en J3, je crois. C'était pas mon meilleur run. J'ai fait des meilleurs runs, mais que j'ai pas forcément pris en vidéo. Je vous avoue que, voilà, j'ai essayé de prendre des extraits vidéo. Il y en a certains qui ont été bons, d'autres moins bons. Celui-là est pas trop mal, donc je vous le montre. Mais je crois que c'est pas le meilleur, mais le meilleur, je l'ai pas pris en vidéo de mémoire. Bref, en tout cas, ça va vous permettre de voir un peu le truc. Donc là, disons que le War Machine, c'est pas le truc le mieux, parce qu'en vrai, bon... Déjà, il tape un peu fort dans la garde. Et en plus de ça, il a quand même une grosse armure. Donc, comme je fais pas de critique, c'est compliqué de passer à travers l'armure. L'avantage néanmoins, c'est que grâce à l'éveil, maintenant, eh bien, je peux purifier les trucs qu'il va mettre. Donc là, ouais, par exemple, je suis devenu immunisé aux effets qu'il peut me mettre. Là, il y a le surpassement qui va revenir. Donc, ça va me permettre de repop pas mal de furie. Là, vous voyez que j'en ai 4. Hop, je vais passer en surpassement. Hop, je suis à 7. Surtout que c'est que des gentils sur la ligne. C'est aussi l'avantage. Franchement... Vous passez à travers protection, vous passez à travers le super pas de schisme, enfin en tout cas avec l'incinération, vous pouvez avoir ténacité pour le petit debuff, et en plus de ça, vous avez du coup, enfin c'est ça en fait, vous pouvez avoir ténacité, donc c'est juste trop fort, et en plus c'est que des méchants, enfin que des gentils, donc c'est hyper... C'est juste trop bien. Vous voyez, par exemple, j'ai pas eu la ténacité. Bon, en même temps, j'ai pas forcément tout le temps la ténacité, étant donné que c'est quand même... Enfin, il est pas éveillé beaucoup, hein. Il est qu'à 11 ou 12, je crois. Donc, voilà. C'est normal. Mais là, vous voyez que... En fait, globalement, War Machine, c'est vraiment les incinérations qui vont faire le max de dégâts. Vous voyez que les incinérations font presque plus de dégâts que moi. Bon, l'avantage, c'est que je régène quand même pas mal sur War Machine. Donc, en vrai, je me prends des dégâts, c'est normal. En vrai, il y a eu des meilleurs runs dans la semaine, mais bon, voilà. Par défaut... En vrai, je peux quand même bien régénérer, surtout si je finis pas mon combo, il y a quand même de grandes chances. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas terminé mon combo exprès. Là, vous voyez, par exemple, je l'attaque. Là, je passe en surpassement. Alors, je l'ai fait peut-être un peu tard, mais en vrai, j'en garde quand même 4, donc c'est pas trop mal. Et là, derrière, je vais le finir avec un petit SP2 des familles qui va me permettre de mettre une petite incinération assez sympa de presque 3000 parties. Et là, maintenant, vous allez voir qu'on va gagner en puissance. On va quand même gagner en puissance après. Alors, je crois que mon combat le moins bon, ça a été contre Spider-Man. Vous allez voir que... Il y a l'autre combat que je vais vous montrer après contre Spider-Man et Squirrel Girl qui s'est mieux passé. Malheureusement, le combat que vous allez voir Spider-Man, où vous allez juste voir Spider-Man et ensuite Squirrel Girl, j'ai oublié de prendre du coup l'extrait War Machine, enfin j'ai oublié de commencer l'extrait vidéo avant. Donc voilà, ça dépend en fait, des fois je joue quand je suis aux toilettes au bureau, des fois je joue, je suis chez moi, enfin je peux pas, des fois je joue le midi, donc je sais jamais trop, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que sur Profix, faut vous dire que du coup, si vous avez 4 furies, eh bien le truc ne pop pas. Bon là, je vois que j'ai pas assez de furies, donc je vais me dire, écoute, fais pop son truc, et voilà, on sera bien pour celui d'après. Mais il y a des fois, il y a des jours où il ne pop absolument aucune défaillance. C'est-à-dire que je suis tout le temps dans le combat à plus de 4 furies. Là, globalement, vous voyez, je vais passer en surpassement. Alors, faut juste faire gaffe parce que vous prenez un petit peu dans la garde quand même. Mais bon, en vrai, voilà. Là, l'avantage, c'est que comme il n'y a pas d'armure, bah, j'en lui enlève vraiment beaucoup. Et encore, je suis en malus de classe, hein. Imaginez en bonus de classe contre le Spider-Man. Il y a des fois, le Spider-Man, il dure même pas 20 secondes. C'est absolument indécent. Bon, là, non, du coup... Là, vous voyez que j'ai quand même pris quelques défaillances. C'est la deuxième que je prends. Bon, je crois que je vais pas en reprendre après. Je crois que c'est contre lui que je... Enfin, non, c'est pas contre lui. Je crois que je vais prendre des dégâts. Mais là, vous voyez que là, dès que vous avez 6 furies, c'est absolument n'importe quoi. Franchement, vous tapez tellement... Enfin, vous tapez super fort. Et vous passez complètement à travers protection, en fait. C'est juste n'importe quoi. C'est la réduc de comp. Hein. C'est... Voilà, Crossbones, il est là pour ça. Réduc de comp, ténacité et frappe fort... Soit sur les coups normaux, soit sur les incinérations. Et en plus de ça, il ne met pas de critique. Donc, il y a pas mal de bandes sur lesquelles ça peut être intéressant de pas mettre de critique. Vélocitaire terminal, par exemple. Armure à pointe, bien évidemment. Entre autres. Du coup, là, sur le Spidey, voilà, c'est ça. C'est que je prends des dégâts au tout début. Alors, je vous avoue qu'il y a eu des bien meilleurs runs sur Spidey. Mais bon, je vous avoue que je suis allé... Du coup, je vous montre cette vidéo parce que je suis allé au bout de la ligne. Bon, vous n'avez pas trop de spoil, du coup, sur la suite de la ligne. Mais bon, très franchement... Le Spidey, c'est quand même pas le plus dur. Bah, du coup, avant, c'était clairement le plus dur avec Elsa et tout, et quand j'avais pas de truc vraiment bien pour lui. Maintenant, c'est quand même hyper facile. Alors là, je sais plus. J'ai pas terminé mon combo, c'est bizarre, mais j'ai pas chopé le truc. Ah oui, j'ai pas chopé le truc parce qu'il y avait les autres effets. Bon, là, vous voyez que je le défonce, hein, vraiment, c'est indécent. Alors, en vrai, j'aurais pu tenter de régène un peu, quand même. Là, j'ai pas du tout régène. J'aurais pu un peu. Parce qu'en fait, si vous terminez pas votre combo, bah, derrière, vous avez de grandes chances, quand même, de prendre le truc, ce qui est... Enfin, de prendre le petit debuff.
Donc derrière, ça me permet de récupérer un petit peu de vie. Là, du coup, on a la Squirrel Girl. Alors, pour le coup, si elle vous tape dans la garde, elle va vous mettre des saignements. Donc, le saignement, vous pouvez devenir immunisé très rapidement grâce à la borne intercombat. Mais en vrai, voilà, l'idée, c'est quand même de ne pas être immunisé à ça et de pouvoir, du coup, lui mettre des incinérations. Là, vous voyez, je l'intercepte, c'est quand même assez cool. Et vous voyez qu'en 10 coups, on lui a déjà mis 25% de sa vie, quoi. Alors qu'en théorie, on est censé qu'enlever que 1% par coup, quoi. C'est pour ça que, franchement, Crossbones, c'est le meilleur compte. Enfin, si vous avez cette ligne-là en QA8, c'est le meilleur compte. Vous ne pouvez pas faire mieux. C'est impossible. C'est impossible d'avoir un meilleur perso que Crossbones pour cette ligne. Et pour le coup, c'est pas une ligne des plus faciles. Hein. Franchement, en tier 3, je pense que c'est sûrement une des lignes les plus reloues, hein, quand même. Mais Crossbones, c'est absolument incroyable pour ça. Hein. Vraiment. Alors, il y a des jours, où, je ne vais pas vous mentir en vous disant que tous les jours, je roule sur la ligne et tout. Forcément, il y a des jours, mais ça, c'est peu importe la ligne. C'est une question juste de concentration et tout. Forcément, il y a des fois où je suis moins concentré, où je vais juste être moins bon globalement. Et donc, voilà, je vais moins bien m'en sortir. Alors, pour tout vous dire, derrière, je me suis dit, vas-y, va sur Tigra. Là, vous voyez, par exemple, ça vous montre qu'avec Strife et Miles Morales, je me suis fait défoncer, globalement. Mais voilà. Ça, des fois, en fait, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a des jours. Il y a des jours où je vais être limite trop large, c'est-à-dire que je crois que c'était le J1 de cette session. Le J1, mais c'est même pas une question que c'est le J1 par rapport au J5 et tout. En vrai, le J5, c'est pas trop mal passé, d'ailleurs. Mais en vrai, c'est juste. Je crois que le pire, ça a été J3, J4 cette session. Mais c'est juste parce que, en vrai, j'étais au boulot et tout, et que c'est plus compliqué. Mais en soi, c'est. Enfin, voilà, c'est juste une question de concentration. Par exemple, mon J1, j'ai terminé, j'ai pu aller sur le boss et tout, et enlever une petite partie du boss parce que, du coup, justement, j'étais hyper large, j'avais les trois persos qui étaient presque full à la fin, sans mettre d'objet. Alors qu'il y a presque tous les autres jours. Je crois qu'il y a juste le J5, j'ai peut-être pas. Si, j'ai dû mettre un objet aujourd'hui. Non, peut-être le J4, j'ai pas dû mettre, mais 2 et 3, j'ai mis des objets obligatoirement. Parce que, voilà, tu sais, tu joues le matin ou tu joues le soir un peu tard, et enfin, voilà, t'es un peu moins concentré, tu fais une merde, et voilà, la QA8, bien évidemment, ça pardonne pas. Mais bon, voilà, ça, pour le coup, c'est une erreur personnelle, c'est pas une erreur de perso, une erreur de truc, et voilà, il y a des jours où ça va très bien se passer, et je vais être limite trop large, et d'autres jours, où j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de vie, comme j'avais avant. Bref, c'est pas hyper grave. En soi, derrière, je vais vous montrer, du coup, là, vous voyez, c'était un peu plus tôt dans la semaine, ou c'était même peut-être dans une autre semaine. C'était peut-être même dans une autre semaine. Là, vous voyez que du coup, Crossbones, c'est un peu plus en vie. Hein, au début du combat de Spidey, j'ai perdu sûrement moins vie contre le War Machine. Et malheureusement, voilà, j'ai pas pensé à vous enregistrer le truc. Donc là, vous voyez, super masochiste qui s'active. C'est assez chiant. Là, vous voyez, j'aurais été étourdi, par exemple. Donc c'est un peu chiant. Là, vous voyez, j'ai pas eu la chance de gagner d'autres furies, malheureusement. Donc voilà, là je vais essayer de gagner des furies. Bon, là j'ai eu la chance du coup de faire pop une évasion. Et là vous voyez, hop, là je vais réussir à, malheureusement pas à ce moment-là, mais là hop, je vais reculer. Là, on a les 4 furies, et là maintenant, on sait qu'il ne peut absolument pas nous évader. C'est impossible qu'il évite. Donc là, vous voyez, ça doit être un jour moins avancé, parce que là, vous voyez que en vraiment rien de temps, je le défonce, quoi. C'est absolument insane. Franchement, ce qui est fou, c'est quand même que je lui ai presque rien enlevé. Franchement, regardez à quel moment j'ai commencé à l'attaquer. Franchement, à quel moment j'ai commencé à lui enlever un peu de vie. C'est absolument indécent, les vies que je lui ai enlevées. Regardez, il est encore à 83%. 4 minutes 25. Et regardez le nombre de vies que je vais lui enlever en 10 secondes, globalement. C'est ça, c'est 10 secondes, hein, vraiment. C'est absolument indécent. En 10 secondes, il est mort. En 10 secondes, je lui tue, c'est 80%. C'est beaucoup trop fort. Bref, et ensuite, du coup, on va aller sur la Squirrel Girl, qui va, je crois, un peu mieux se passer. Qui va un peu mieux se passer, enfin après voilà. Squirrel Girl, c'est pas celle qui me faisait beaucoup la galérer, même avec Elsa, hein, très franchement. Voilà, vous voyez, ça me permet en plus de régénérer un petit peu. Ça me permet de régénérer un petit peu. Là, vous voyez, je deviens immu au saignement. Alors, malheureusement, comme elle dévie tout, je peux pas choper de furie, malheureusement, sur mes coups. C'est un petit peu dommage, comme mes coups peuvent pas être critiques. Mais bon, voilà. Ça, franchement, ça se passe bien. Hein, franchement, ça se passe bien. Là, hop, on va reculer. Je vais gagner, du coup, 3 furies plus celle que j'avais déjà, qui, du coup, devient permanente. Là, vous voyez, je me fais un petit peu taper. Là, je vais l'intercepter avec le spé. Malheureusement, il vient pas du tout dans le truc. Au final, le combat est pas magnifique, hein, quand même. Le combat est pas magnifique. Bon. Là, vous voyez, j'ai pris le debuff. Bon, pas ouf, du coup. Hein. Pas ouf. Là, hop, je vais passer en surpassement.
Et là, ça devrait être pas mal. Là, vous voyez, là, on va... là, dès qu'on peut un peu enchaîner, là, vous voyez, hop, je vais faire un combo complet. Ah non, même pas complet, mais en fait, je voulais lancer le truc pour bénéficier encore de mes furies. Vous avez compris que du coup, si je réduisais les comptes, le Super Majesty ne s'active pas. Donc en gros, le but, c'est d'avoir minimum 4 furies au moment où je fais le SP2, quoi. C'est vraiment l'objectif. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas réussi à réinitialiser des furies déjà actives. Bon, voilà. Le combat n'a pas été magnifique. Franchement, j'ai fait des combats Squirrel Girl beaucoup plus expéditifs que ça. Bon, maintenant, après vous avoir montré un petit peu la cause principale de mon up, maintenant, je vais vous montrer un truc un peu plus what the fuck. Alors, je suis en synergie. Alors là, pour le coup, c'est un truc qui n'est pas hyper viable. On est complètement d'accord que ce n'est pas un truc que vous allez faire tous les jours. Mais en vrai, il fallait forcément que je vous montre ça. Forcément. Donc, je suis en synergie. Nick Fury, Captain Marvel MCU, qui reste quand même, qui sont des persos très, très intéressants, hein. C'est pas des persos pourris que j'ai mis comme ça et tout, hein. Donc, qu'est-ce que ça me permet de les avoir? Ça me permet d'augmenter de 20% la durée de mes furies, c'est assez cool. Vous avez également Mangok, qui est très certainement la meilleure synergie de Crossbones, qui va lui permettre en fait d'augmenter la durée de ses furies de 50%. Elle est absolument incroyable, et c'est ce qui va en gros permettre le côté incroyable de cette vidéo, voilà, enfin de cet extrait vidéo. Et ensuite Taskmaster, en vrai Taskmaster j'ai juste mis parce que je pouvais pas mettre un truc en plus. En vrai il y a une autre synergie qui peut être pas mal, c'est celle de Mister Fantastique qui permet aux Virtuoses et aux Cosmiques de garder, enfin de mettre en pause leur buff pendant 0,2 secondes à chaque coup basique. Ça peut être intéressant, mais en vrai, comme vous allez pouvoir voir, on va faire beaucoup d'attaques puissantes, parce que t'es obligé de faire des attaques puissantes si tu veux garder tes furies, donc voilà. Globalement j'ai fait ça. Vous allez voir ce que ça va donner, hein, mais voilà. Alors, j'ai essayé d'être un peu offensif, donc il y a des moments, forcément, je vais prendre un petit peu de coups, vous allez voir. Mais franchement, en termes de nombre de coups, c'est insane. Franchement, si tu regardes que le nombre de coups et pas le timing, parce que franchement, le niveau timing, bon, c'est du 4 minutes à peu près, ce qui est pas scandaleux, hein, pour le coup, c'est pas scandaleux du tout, c'est même un bon score. Mais si tu regardes que le nombre de coups, c'est absolument fantastique. Vraiment, le nombre de coups est fantastique. Et vous allez voir les dégâts que je vais faire à la fin, c'est absolument monstrueux. Très vraiment, il y a que quelques moments où je vais perdre un peu de furie, mais disons que, voilà, j'ai quand même essayé de bien optimiser. Alors forcément, il y a des moments où j'ai essayé d'être offensif, je vais prendre des dégâts, mais quand même, voilà, il y a pas mal de dégâts que je vais prendre quand même en garde. Je vais quand même mieux jouer sur la fin. Bon, là, vous voyez que j'ai quand même pris des coups. Alors, son SP3 est très intéressant sur les combats comme ça, vous voulez aller loin en termes de furie. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre taux de critique. Alors, il fait pas de critique. Sauf que ça va vous permettre d'augmenter facilement votre chance de gagner des furies. Là, vous voyez, presque à chaque coup, il va gagner des furies. C'est absolument n'importe quoi. Bon, là, pour l'instant, je veux gagner mes furies. Alors, du coup, la synergie Taskmaster permet, au lieu de gagner 3... Parce que là, du coup, j'ai le mépris, du coup, parce que c'est un héros en face de moi. Du coup, je gagne non pas une, mais 3 furies quand je passe en surpassement, donc avec le dash arrière et bloc. Et bien, grâce à Taskmaster, j'en gagne du coup 1 de plus. Enfin, 2 de plus, pardon. Du coup, j'en gagne 5. Là, vous voyez, on est passé de 14 à 19. Là, du coup, hop, le petit SP 2, qui en plus de ça... Ce qui est bien, c'est comme il aurait dû faire des critiques dessus, et bah du coup, je gagne encore des furies. C'est absolument n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Là, vous voyez, franchement, pour l'instant, les dégâts sont sympas. 25 000 sur attaque puissante, c'est marrant et tout. Alors, vous avez vu, le problème, le seul problème qu'on a dans le LOL, et c'est pour ça que du coup, je vais prendre quand même pas mal de coups, c'est que dans le LOL, bah, à un moment, tu peux plus parade. Et donc, tu peux plus faire autant d'attaques puissantes que tu veux. Mais là, vous voyez, les furies qui gagnent, c'est n'importe quoi. Regardez les furies que je gagne avec, parce que je fais des critiques tout le temps avec le... Là, l'incinération, elle est insane. Vraiment, l'incinération est dingue. Alors, vous voyez, je vais prendre quelques petits coups, parce que voilà, je vais essayer d'être un peu offensif à certains moments pour garder mes furies, justement. Mais franchement, voilà, la plupart du temps, ça va bien se passer. Là, vous voyez, hop, on va passer à 35. Et voilà, et en fait, c'est infini. Si vous gardez vos furies, c'est infini. Alors, on est bien d'accord que, voilà, garder Mangok tout le temps, c'est un peu relou. Mais en vrai, franchement, quand vous voyez ce que ça donne... C'est absolument monstrueux. Là, vous voyez que là, on est à combien de minutes? On est à... Là, vous rendez compte qu'il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, on lui a enlevé 30% dans les premières minutes. Mais après, c'est juste insane ce qu'on lui fait. Hein. C'est juste insane. Là, on va perdre quelques furies, vous voyez. On a perdu 6 furies, mais voilà. Disons qu'on en perd quelques-unes pour en gagner plus après. Et en vrai, quand vous avez la synergie Taskmaster, vous en gagnez 5 dès que vous passez en surpassement. Donc, on va avoir perdu 6, c'est pas hyper grave. Très franchement, c'est pas hyper grave. Le problème aussi, c'est qu'on est contre Star-Lord, qui a pas non plus le... Enfin,
c'est compliqué quand même de le contre-attaquer derrière un spé. Par contre, vous pouvez facilement le contre-attaquer derrière une attaque puissante. Donc, c'est un peu l'avantage. Là, vous voyez, par exemple, là, derrière, je peux le contre-attaquer. Là, franchement, je fais des attaques puissantes à 45 000. C'est absolument monstrueux. Et encore, on n'est pas du tout à la fin du combat. Hein. On n'est pas du tout à la fin du combat. Là, je suis qu'à 46. Je crois qu'à la fin, je suis à 60 presque. Mais là, vous voyez, regardez, je lui fais 1% par coup presque. C'est n'importe quoi. Regardez, le spé 2 qui enlève plusieurs... Enfin, qui enlève plus... C'est, on est plus de 100k largement. Les incinérations qui font 13 000 par tick, c'est juste n'importe quoi. Quand je vous dis que Crossbones c'est un des meilleurs reworks de l'année, c'est que en fait, potentiellement tu peux faire des dingueries, mais totales quoi. Là vous voyez, regardez, hop, là c'est trop bien, j'ai mis en pause. Là on passe à 56, on est trop bien. Là derrière, je vais faire un spé 2. Là on va passer presque à 60. L'inspiration, on est à 14 000 par tick, c'est absolument monstrueux. Là, encore une fois, j'attends attaque puissante, nickel. Et là, on va bientôt terminer, hein, l'attaque puissante derrière. Là, je sais que derrière, j'ai juste à taper un peu. Là, on va faire le petit dash arrière et bam, on va réinitialiser. On est à 62 fury. Et on est, franchement, on est en mode infini là. Vraiment, là, on est sur un spé à 200k, plus une inspiration derrière qui va enlever plus que 100 000. Enfin bref, on est vraiment là sur du Aegon et Strife tier. Vraiment, Crossbones, quand il est comme ça, on est dans du gros n'importe quoi. Donc franchement, en vrai, c'est carrément un perso où vous pouvez faire des dingueries comme ça. Et encore, là, on est sur 3 millions 3 de vie. Mais franchement, vous mettez un Star-Lord avec 10 millions de vie, vous pouvez... Franchement, je pense, très franchement, que s'il y avait, imaginons le double de vie, imaginons vous le mettez à 6 millions 6, je pense très franchement qu'en 2 minutes, je lui enlève les 3 millions 3 de plus. Je suis presque persuadé. Franchement, à part si je perds mes furies, bien évidemment, mais ça, c'est toujours l'aléa. Franchement, il y a des moments où voilà, il va être un peu plus passif et il va pas pouvoir faire son spé tout. On l'a vu, il y a quelques moments où j'étais pas loin de perdre mes furies, mais... Par contre, il y a des moments où ça va bien mieux se goupiller et tu vas être très large pour garder tes fruits. En fait, ça dépend vraiment de l'adversaire aussi. Mais je trouve qu'avec les synergies là que j'ai mis, bah en fait, t'es vraiment en mode assez tranquille. Et franchement, bon, autant Taskmaster, vous pouvez l'enlever. Mais franchement, avoir une team Mangok, CapMCU, Nick Fury, et ensuite derrière, vous prenez n'importe quel autre perso, c'est pas scandaleux. Et quand vous voyez que CapMCU, Nick Fury, c'est des énormes persos quand ils sont à deux, Mangok, c'est un perso quand même correct en mystique, que Crossbones, quand il est comme ça, c'est juste un perso d'une autre planète. Vous mettez un autre perso de type Torch, de type Ghost, de type Quake, de type Hercule, de type Doom, de type Apocalypse. Vous faites ce que vous voulez derrière en termes de classe, en termes de perso. Franchement, on a une team de quête, de gros contenu absolument abusé. Franchement, moi, Mangok, si je l'ai en 6, je pense que je vais le monter juste pour Crossbones. Parce que franchement, c'est juste n'importe quoi. Enfin, donnez-moi votre avis, mais est-ce qu'on peut en parler quand même que... Il y a des gros, enfin, il y a des persos, on va dire, corrects en 6R3 qui vont faire 130 coups sur le soldat l'hiver, qui a 550 000. Lui, il le fait sur un perso qui a 6 fois plus de vie. Est-ce qu'on peut juste parler de ça? Et encore une fois, je vous rappelle quand même que dans les deux dernières minutes, il a enlevé 70%, c'est-à-dire qu'il a enlevé plus de 2 millions. Il a enlevé plus de 2 millions. On est presque proche, quoi, du 2 millions 2, 2 millions 3. En 2 minutes. Genre, enfin, je pense qu'on se rend pas assez compte. Et surtout, là où on se rend pas assez compte, c'est que les dégâts qu'il fait là, il peut encore les augmenter à l'infini. C'est genre, c'est interminable en fait. Alors que Strife et Aegon, il n'y a pas de maximum. Enfin, si, justement, il y a un maximum. Au final, lui, il est un peu dans le genre Shang-Chi ou comment ça s'appelle ? Ou Guardian. Sauf que c'est beaucoup moins chiant que Guardian. C'est beaucoup moins long que Shang-Chi. Par contre, c'est un peu plus dur si t'as pas de synergie. C'est même compliqué, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est faisable même sans synergie. En tout cas, c'est faisable d'avoir 10-20 furies. Franchement, c'est faisable même sans synergie. Mais disons que sur un combat un peu plus long, t'as quand même beaucoup moins de risques avec Mangok et avec, du coup, Nick Fury, CapMCU. Le Taskmaster, c'est juste pour le folklore et pour gagner un peu plus de furies rapidement. Mais très franchement, sans Taskmaster, on aurait mis un chouïa plus de coups, un chouïa plus de temps... Mais très franchement, ça n'aurait pas changé énormément de choses. Très franchement, ça ne changeait pas énormément de choses. Enfin voilà, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai été complet de vous montrer un peu... Enfin, de vous montrer les deux facettes. Autant Miles Morales, je voulais vous montrer juste la QA8, parce que pour le coup, je ne l'ai pas forcément monté pour autre chose. Autant Crossbones, je sais très bien qu'il va me servir pour autre chose. Parce que Crossbones, il est juste incroyable. Et en termes de rework dans l'année, on est dans deux tiers différents. Miles Morales, c'est sympathique, tu vois. Crossbones, c'est juste insane en termes de rework cette année.
Il est dans les meilleurs. Moi, je sais même plus combien je l'ai mis. Je crois troisième. Enfin, enfin, c'est juste trop fort. Franchement, quand vous voyez ça, c'est juste des dégâts de Barjo, quoi. C'est juste des dégâts de Barjo. Et il faut se rappeler aussi, parce que c'est ça aussi, c'est que on peut se dire dégâts de Barjo, mais à côté, il sert à rien. Mais il faut vous dire que à côté de ça, il y a aucune compétence adverse qui s'active. Et qu'en plus de ça, s'il est veillé à 200, il peut prendre aucun debuff. Enfin, il faut quand même se rendre compte du perso de Barjo que c'est, vraiment. Alors, oui, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont être sceptiques en mode « Oui, mais regarde, t'as une team de 3 persos à côté. » Oui, alors, encore une fois, Cap MCU et Nick Fury, ça augmente que, c'est déjà bien, hein, mais que 20% sa durée de Fury. En vrai, si vous voulez vraiment vous en passer, vous pouvez. C'est juste parce que comme c'est des gros persos, je me suis dit, en vrai, je pense que ça va pas en gêner beaucoup. Voilà, je sais très bien qu'il y en a qui disent « Oui, les persos en synergie et tout. » Là, pour le coup, c'est des persos en synergie, mais qui sont de qualité, vous voyez. Et Mangok, qui est peut-être d'une qualité un peu moins importante, forcément, que Nick Fury et Cap MCU, et même que Crossbones, du coup, ça reste quand même un perso sympa. Ça reste un perso qui a énormément d'immunité, qui tape quand même plutôt fort, qui a quand même quelques polyvalences, quand même. Donc voilà, d'ailleurs, j'essaierai quand même. Franchement, si j'arrive à choper Mangok en 6, je pense qu'il montera 6R3, juste pour le fait d'aller avec Crossbones, et en plus parce que c'est un personnage, quand même, que je trouve assez sympa, et que j'ai pas trop approfondi, donc en vrai, j'aimerais beaucoup le choper. Voilà, bah écoutez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à aller voter pour vos persos préférés des reworks. Franchement, si je peux vous inciter un maximum à aller voter pour ce top rework, c'est... Enfin voilà, avec ce genre de vidéo, parce que voilà, je vous ai montré Miles Morales, je vous ai montré Bishop déjà, parce que je l'ai monté 6R3, je vous ai déjà montré Ultron, je vous ai montré Crossbones, je vous en ai montré beaucoup, très franchement, parce que j'ai monté beaucoup de up au final, j'ai fait beaucoup de up. Je vous montrais Diablo aussi, bien évidemment. Il y a beaucoup des persos rework de l'année que j'ai monté. Je crois que c'est mon 5e ou 6e rework. Enfin, il y a Thor Ragnarok, bien évidemment, même si je l'avais monté avant, pour le coup. Mais franchement, des reworks de l'année, j'en ai monté une grosse partie, donc je peux vous dire qu'il y a vraiment des très bons reworks cette année. Donc si vous voulez aller voter, voilà, pour vos reworks préférés, allez-y. Franchement, allez-y, c'est... Voilà, si je peux vous inciter à le faire, voilà, pour que ça fasse une vidéo sympa, voilà, c'est sûr que... Enfin, plus il y a de votes, mieux c'est, plus c'est intéressant. C'est sûr que, alors c'est pas le cas, mais imaginons il y a 10 votes. Je vais pas faire de vidéo pour 10 votes, ça a aucun intérêt, quoi. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à proposer à votre alliance également de le faire. De toute façon, je vais faire encore beaucoup de pubs et tout pour ces sondages, bien évidemment. Voilà, ça sortira dans à peu près 6-7 jours, quoi. Donc voilà, votez maintenant, parce qu'il reste... Voilà, à un moment, il va falloir quand même que je fasse les scores. Je pense que je vais les faire juste après Noël. Donc vraiment, voilà, votez avant Noël, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à y aller, ça fera toujours plaisir. Les liens sont dans la description de toutes mes vidéos, donc allez-y. Merci à vous, bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. Salut !